Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le match d'aujourd'hui. Alors que retentit l'hymne de l'UEFA Champions League. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match, selon vous? Je vais opter pour Kostas Mitroglou. Alors, ce n'est pas la plus grande star des attaquants, je veux bien, mais j'aime beaucoup sa technique et sa capacité à tenir le ballon. Il est donc parfait pour jouer en pointe et en plus, il a quelque chose qui me plaît bien. Il est imprévisible. Oui, c'est évident, pas de surprise. Et le centre. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Eliseu. Au tour du gardien de jouer. Luisão. Dans le dos de la défense. Et pourtant, c'était un caviar au départ. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Qu'est-ce que c'est plaisant de voir des joueurs avec autant de bonnes intentions. Ça en dit long sur leur état d'esprit. C'est joué long, attention. Une très longue passe. L'interception au bon moment. Il centre directement. Ce ballon bien dosé, ça sent la frappe. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Énorme occasion, la frappe elle est magnifique. Oh, un but vraiment incroyable. Ça y est, ce match est vraiment lancé. C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça! Et ça fait donc 1-0. Il mène au score, maintenant il faut pas laisser l'adversaire revenir. Le long centre. Il glisse le ballon en profondeur. Non, ça manque d'application. Salvio. Qui est le premier sur ce ballon? Oh, la frappe! Oh, c'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Salvio a joué crânement sa chance. Une bonne interception et derrière un tir qui ne passe pas loin. C'est du bon boulot, c'est bien joué.
permettre de la jouer dans l'espace. Dans le dos, Royce. Oh, quel geste! Une très grande ouverture. Un centre lointain. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Jonas. Il joue dans l'espace. Allez, ça doit faire but! C'est au fond des filets! Et ils sont de retour dans cette rencontre. Superbe combinaison, ces deux joueurs se trouvent les yeux fermés. À jouer en seconde période. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour le moment. Elles quittent le terrain sur ce score 1 partout. Et la seconde période est lancée. Mitroglou qui est récompensé de son pressing. Mario Götze. Marcel Schmelzer. Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. Il a centré, aucun danger pour le gardien. Oh là 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 là, je ne trouve pas les mots. Pathétique. Eliseu. Il centre de loin. C'est bien donné. Un long ballon vers l'avant. Pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Oui, mais c'est mal fait. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Ça joue à gauche. Mitroglou qui a déjà pris le pas sur la défense. C'est centré dans la boîte. Il y en a un qui a le droit à un traitement de faveur. C'est pas étonnant, vous, ce qu'il leur a déjà fait. Nouri Sahin. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Il file au but. Il essaye un long ballon. Royce dans la boîte. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface, là. C'était une belle occasion. Il est à distance de tir. Salvio. C'est joué long, attention. Jolie passe lobée. Marcel Schmelzer. Il joue dans l'espace. Dans la profondeur, plein axe. Il file vers le but. Il peut conclure. Il a pris tout le monde de vitesse. Le ballon traîne toujours, attention. Mitroglou. Mario Götze. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Oh, la grosse occasion! Il cherche un coéquipier. C'est bon, le danger est repoussé. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Et ce match se termine sur ce score nul, mais franchement, on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre. On a eu droit à un vrai beau spectacle de foot. Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut.